Ouais, qui est là? Qui? Wow! Wow! Oui? Je suis là pour la compétition. De quelle compétition parlez-vous? Je présume que tu ne me connais pas. Ah. Mais je sais pourquoi je suis ici. Ah. Ici, c'est le manoir de Tivoli Huss. Mm-hmm. Et non une entreprise de pique-nique. En plus, le pique-nique ne fait pas de publicité. Je t'aurais proposé de postuler comme ambassadrice. Oui. S'il vous plaît, ceci est ma meilleure carte. Et je souhaiterais de tout cœur que tu la respectes. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Madame, je comprends. Vous savez, mais je ne peux pas vous laisser entrer avec cette industrie du lait. Tu es un fou. Tu es stupide dans ta tête. Tu es vraiment malade dans ta tête. Ta descendance est stupide. Quoi? Idiot. Madame, vous osez m'insulter? Non, 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 non. Vous m'avez insulté? Connaissez-vous qui je suis? Pourquoi? Madame, depuis une heure, nous roulons de rond-point en rond-point. Nous avons roulé presque dans toute la ville. Où avez-vous dit que vous partiez déjà, madame? Calme-toi. Ne sois pas stupide. Tu es un illettré et stupide chauffeur de kéké. Dois-je vraiment me répéter? Allez! Madame, avec tout le respect, je suis diplômé d'université et j'apprécierais que vous ne m'insultiez pas. Je suis un intello, que l'apparence ne vous trompe pas. Je suis diplômé d'université. S'il vous plaît, dites-moi où vous partez quand il y a. Je suis épuisé. Tu dis être diplômé et tu conduis un kéké dans ce pays? Hein? Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Dites-moi juste où vous allez. J'ai dit d'avancer. Puisque tu es diplômé, tu devrais savoir ce que veut dire avancer. Alors continue d'avancer. Avance! Tête vide. Play your card, well, well. Now the best card, the best card, you go. When you're gonna play your card, the full man, play your card, well, well. Now the best card, you go. This is a game. My candy will return. Right inside the game, it's another game. So be wise. Play your card well, well. The best card they go win now. Joy, some are fake. Why some are real? Some are using their woman power to get what they want. But no matter what, now the best card, the best card they go win now. Everybody play your card, yo. Play your card, yo. Well, well. Now the best card, yo. The best card, yo. When you play your card, of woman. Play your card, yo. Well, well. Now the best card, yo. The best card, yo. Enjoy. This is a game. My candy will return. Right inside the game. It's another game. So be wise, play your card well, well. The best card they go win now. Joy, some are fake. Why some are real? Some are using their woman power to get what they want. But no matter what, now the best card, the best card they go win now. Everybody play your card, yo. Play your card, yo. Well, well. Now the best card, yo. The best card, yo. When you play your card, of woman. Play your card, yo. Well, well. Now the best card, yo. The best card, yo. Everybody play your card, yo. Play your card, yo. Well, well. Now the best card, yo. The best card, yo. When you Madame, descendez. Descendez, nous sommes chez le chef. Descendez de mon kéké. T'ai-je dit où j'allais?
Madame, je vous ai entendu parler au téléphone avec vos amis disant que vous alliez à une compétition. C'est ici le lieu de la compétition. Le fils du chef cherche une femme pour épouser. S'il vous plaît, descendez de mon côté. Une minute. Quand je passais l'appel, t'ai-je demandé de prêter l'oreille à ma conversation? Quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas. Dans les 7 prochains jours, je deviendrai la femme de l'homme le plus riche de cette ville. J'ai pitié de l'homme qui vous épousera. J'ai pitié de l'homme qui vous épousera. Vous voyez cette compétition, vous n'allez pas gagner. Vous croyez que tout se résume au physique? Je vous attendrai ces 7 jours avec ce kéké pour vous ramener chez votre père parce que vous ne pouvez rien en une semaine. Que Dieu punisse ta vie. Tu ne vas pas gagner. Descends de mon kéké. Descends. Inutile. Fausse personne. Espèce de sale chauffeur. Espèce de taré. Tu ne vas pas gagner. Prends ta vieille valise. Va-t'en et donne-moi mon argent. 1000 francs. Donne-moi. Bico. Donne-moi mon argent. Je n'ai pas de temps à perdre ici. J'ai des clients. C'est ta descendance à toi qui ne gagnera pas. Fausse personne. Idiot. Mon argent, 7 jours. Tu vois cette rue. Nous sommes ensemble. Nous encaissons ensemble. C'est ta génération. Ce 1000 francs, je ne l'ai pas. Voici 750. N'essaye même pas de tu toucher ma valise. Espèce d'idiot. Idiot. Espèce de sale chauffeur. N'importe quoi. C'est ta descendance qui ne gagnera pas. Tu oses insulter la future femme du fils de chef. Vas-y. Porte ta ferraille et va-t'en. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à moi que tu poses la question? Je ressemble à une idiote à tes yeux? Hein? Je ne suis pas une novice. J'ai fait la rue bien avant. Si tu ne le savais pas, sache-le maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? N'importe quoi. En quoi cela me concerne? Tu me poses la question? Que je te dise, si tu continues à faire ce que tu fais, ce à quoi tu joues là, continue à le faire. Ok? Sache juste que le temps, c'est de l'argent. Je ne veux pas être en retard là où je vais. Est-ce que tu m'entends? Prends tout le temps que tu veux. Allons-y, je t'en prie. Je constate que tu es un fauteur de coups, mais je n'ai rien à te dire. C'est bien que tu le saches. Tu ne feras rien. Essaye et tu verras. Mais je te préviens. Essaye juste. Je ne suis pas une novice. Si je tombe de cette moto, tu verras bien. T'es prévenu. Comme je t'ai dit. Écoute, je vais m'occuper d'elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour qui est-ce que... Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est? Ah, peut-être que c'est l'une des filles. Si tu vois celle-ci, elle est très belle. Elle te plaira. Arrête avec tes bêtises. Tu ferais mieux d'ouvrir ce portier avant que Tiff te renvoie. Attends. Idiot. Chut. Salut. Hey, salut! Je suppose qu'il s'agit de la maison de Chief Lyus. Affirmatif! Vous êtes au bon endroit. Bien. En effet, Chief Linus vous attend à l'intérieur. Oh, vraiment? Oui. Merci. Oh mon Dieu. De rien. Vous êtes vraiment belle. Mon Dieu, ça... Que dites-vous? Seigneur Jésus. Viens-tu juste de m'admirer? Genre, tu admires une princesse comme moi? Es-tu fou? C'est quoi ton boulot déjà? Cuisiner, n'est-ce pas? Bon sang! Merde! Un cuisinier ordinaire admire une princesse comme moi. Comment oses-tu? Veux-tu perdre ton boulot? Non, madame. Veux-tu que je te renvoie? Es-tu sûr? Désolé, madame. Ok. J'accepte tes excuses. Mais... tu dois goûter à une très bonne gifle. Hein? Pour avoir manqué du respect à une dame comme moi. Et pour n'avoir pas été à ta place de cuisinier. Regarde-le, sale porc. Fais-le. Jésus, fais-le encore. Plus fort. Bien. La prochaine fois, tu n'insulteras pas une princesse comme moi. Occupe-toi de tes affaires en tant que cuisinier. Fou. Ben, ce qui est bien que même les aveugles peuvent voir que je suis belle. Je suis ici pour gagner cette compétition. Porte ma valise. Amène-la à l'intérieur. Espèce d'idiot. Chief? Oh non, tu as abîmé mon sac. Regarde, tu as abîmé mon sac. Désolé. N'importe quoi.
sac de marque que je viens tout juste d'acheter. Dieu seul sait où. Idiot. Wow. Wow. Ça, c'est une photo, ce trou. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas encore gagné que tu donnes des ordres. Que? Gifle-toi. Je suis une princesse. Hein? Je suis une. Tu ne viendras pas faire ça ici. Tu m'entends? Some using their woman power to get through what they want. But no matter what, not the best to cut you, the best to cut you in. Everybody play your cut you. Not the best to cut you. Nous sommes bien à l'endroit. On a pour play your cut off for man. Merci, prends ton argent. Madame, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu n'as pas d'yeux? Hein? Tes yeux ne voient pas que c'est de l'argent ou alors ça ressemble à un papier? C'est 100 naira et c'est ton argent. Pourquoi vous me donnez 100 naira? Combien devais-je te donner? En argent, c'est 500. En ces temps-ci, que je dois te donner 500 naira? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Parce que je travaille à la Banque mondiale? S'il te plaît, respecte-toi. Regardez-le. Madame, donnez mon argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce parce que je reste calme? Hey! Me donnes-tu 100 naira? Je roule avec toi depuis la journée. Si je te donne une bonne gifle, ton cerveau va se remettre en place. Regardez-le. Tu veux me donner une bonne gifle? Tu m'as entendu. Renseigne. Madame, donnez mon argent. Quelles sont ces bêtises? Est-ce parce que je garde mon calme depuis un moment? S'il te plaît, donne mon argent. Nous roulons depuis la journée. Maintenant, tu veux me raconter des bêtises? Regardez-le. Regardez-le-moi. Il s'agite devant moi. Tu sais qui je suis? Tu as vu mon visage? Je te le demande. Tu l'as bien regardé? Regardez-le haut. J'ai emprunté ta moto, on a tourné partout. Je t'ai stoppé et même tapé pour attirer ton attention. Oui, pour que tu ne me perdes pas le temps. Tu t'en foutais. Mais non, à qui la faute? À qui la faute? Touche-moi encore. Madame, arrêtez ça. Donnez mon argent. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, j'en ai ma claque pour aujourd'hui et j'ai l'impression que je commence à perdre mon sang-froid et je perds patience. Si je me fâche, je pourrais vous faire quelque chose. Donne-moi mon argent pour que je m'en aille. Comme ça, tu ne sais pas ce que tu fais? Cet endroit où tu viens me déposer, on a fait 5 tours, hein? Je te regardais. On entre à la rue 5. Toujours toi, tu entres à la 13e, je reste tranquille. La minute d'après, tu reprends le même chemin par lequel nous sommes passés pour se retrouver à la 5e rue. Je dis, ce gars, c'est avec moi qu'il joue? Moi? Il ne sait pas qui je suis? Je suis juste restée tranquille parce que je connais ce genre de jeu. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai affaire à ton genre, je suis prête pour ça. Chaque fois que je vois ton genre, hein, je suis déjà prête. Tu vois ces vêtements que je porte? C'est pas parce que je les aime, hein? C'est de la couverture. Si tu savais ce qui me fait venir ici, hein, tu ne te tiendrais pas là. Parce que si tu croises mon chemin, hein, ce que je vais te faire, tu vas pas aimer. Tu vas pas aimer, oh! Je te mets en garde. Madame, je te mets en garde. Je veux mon argent. Pas de problème. Je veux mon argent. J'ai dit, je veux mon argent. C'est quoi cette histoire? Écoute. C'est moi que tu stoppes. Je veux mon argent. Si avec Mikey que tu t'amuses, c'est ça? Ce gars écoute, ne sait pas qui je suis. Écoute, que je te dise que... Attends. Ce gars ne sait pas à qui il a affaire. Ce n'est pas que... Attends, non. Attends. Reste là pour voir, mon cher. Tu pensais que j'étais une novice? Non, reste là. Yeye, reviens. Regardez-le. Mince. Tu ne sais donc pas d'où je viens? Faut essayer encore une fois. Et tu verras. Tu verras la suite, mon cher. Je suis bien préparée. Il ne sait même pas ce qui me fait venir ici. Malchance. Viens encore m'essayer. Oui? Bon après-midi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Madame, s'il vous plaît, il n'y a pas de croisade qui se tient ici. Vous comprenez? Si vous partez maintenant tout droit de l'autre côté, hein, il y a une croisade qui se tient là-bas. Bonne journée. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ici? Vous ne comprenez pas un simple français? Il n'y a pas de croisade qui se tient ici. Si vous allez devant, allez juste devant, vous allez voir la cathédrale. C'est là où se tient la croisade. C'est quoi? Madame. Je suis là pour la compétition. Vous dites?
vous êtes là pour la compétition. Oui, pour la compétition, comme guidé par le Saint-Esprit. Et Chapolo, vous savez ce que je veux dire? Vous êtes très belle. Merci. De rien. Ouais. Alors, quel est votre nom? Je m'appelle Nona Olivia, mais vous pouvez m'appeler Ojo. Ojo! Ojo! C'est merveilleux. Oui, alors, avez-vous un petit ami? Excusez-moi. Je ne suis pas venue ici pour être interviewée par vous. Sans vous manquer de respect, puis-je entrer? Oui, vous pouvez entrer, pourquoi pas? Entrez! Wow! Oh, mamma mia! Wow! Excusez-moi. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Donne-moi ce truc! Allez! Quoi? Oh mon Dieu! Quoi? Oh mamma mia! Oh Seigneur! N'as-tu pas la crainte de Dieu? Ne vois-tu pas? Hein? Jeune homme, ne vois-tu pas que c'est debout? Comme un dieu. Appelons mon nom. Ekaïta. Ekaïta. Viens toucher. Viens toucher. Aïe. Tu es un engin. Tu es un engin. Oui. Ok. Ouh. J'ai saisi. Oui. J'ai tout saisi. Oui. Ouh. Que veux-tu? À moi. À ça. Oh, oh, oh. Ah, je suis... je veux me mettre à l'aise. Oh, tu veux te mettre à l'aise? Oui. Hey, de ce côté. Par où ce côté? Ce... Oh, oh, de oh, ce côté. Oh. Ah, d'accord, je te vois plus tard. Gentil garçon. Oh. Oh. Wow! Oh, cette fille est tarie, ai-je un gros engin? Wow! Ah! Quoi? Hey! Cette fille est vraiment une bombe! Comme elle exhibe ses cours! Du pur miel! Soyez toutes les bienvenues. Merci, chief. J'espère que tout le monde est là. Oui, oui chief. Bien. Tout d'abord, laissez-moi vous féliciter. Ah, merci. Six d'entre vous ont passé l'étape des auditions. Qui comprenait plus de 100 filles? Et c'est quelque chose à saluer. Alors que vous êtes tous impressionnés par le Grand Prix, il est bon que vous notiez, qu'en vous comportant bien,
Aucune d'entre vous ne devrait sortir de cette maison haute, les mains vides. Oh! Oui, oui, oui. Je suis sûr que vous savez que un prix de 5 millions de naira attend chacune d'entre vous qui se comportera bien, mais qui n'aura pas gagné. Oh là là, oui. Cette compétition se tiendra sur 7 jours et ça débute maintenant. Mon fils reviendra des États-Unis dans 3 jours. Il vous observera les 4 jours restant dans cette maison. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Oui, si je... Ceci n'est pas un show de télé-réalité, mais plutôt une semaine importante pour moi qui me permettra de choisir une femme pour mon fils unique. Cela ne signifie en aucun cas que vous ne devez pas être jugé. Soyez conscient de vos actes et jouez la meilleure de vos cartes et ne blessez personne. Oui, monsieur. Profitez de votre séjour. Merci, chef. De bonne manière, s'il vous plaît. S'il te plaît. Qui c'est? Tu peux la fermer? Tais-toi! Merci beaucoup, chef. Est-ce que vous pouvez arrêter? Vas-tu arrêter avec tes manières? Ah. Qu'est-ce que... qu'est-ce qu'on peut avoir là? Why some are in love? Some are using their woman power to get to what they want. But no matter what, now the best they can do, the best they can do, go in love. Everybody play your card, yo. Play your card, yo. Now the best card, yo. The best card, yo. When you're play your card, yo. From my play your card, yo. Now the best card, yo. The best card, yo. Enjoy this. Huh? Je t'ai eu. Je sais que tu aimes ça. Que fais-tu ici? Hein, moi? Allez, mon petit chou. Tu ne t'attends pas à ce que je regarde ailleurs après avoir posé mes yeux sur toi? Que fais-tu dans ma cuisine? Tu veux vraiment le savoir? Je veux que tu me fasses frire comme du poulet. Allez, bébé, tu peux le faire. Ah! Sors d'ici. Je dis sors d'ici. Tu n'as pas à crier comme ça. C'est moi, Ikeda. Je te donne quand tu veux, gratuitement. Allez. Eh hey, mais qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ah! Papam, papam. Okweme. Okweme, que fais-tu ici? Oh. Ozor, alors tu es là à savourer ton repas pendant que j'ai faim. Hein? Non, je n'ai rien dit. Je n'ai. Ai-je dit quelque chose? Oh. Non, mais j'espère que le repas est prêt. N'importe quoi, retourne à ton poste. Mm. Retourne-y. Quand je finis, je te l'apporte. D'accord. Quand tu auras fini, tu apporteras mon repas. Sors. Ok? Non, je n'ai rien dit. Je te dis de sortir. D'accord, mon chou. Et toi? Approche. Suis-le. Pourquoi? Nous n'avons pas fini. On commence à peine. Suis-le. Allez. Ah! Finis d'abord. Allez, suis-le. Allez. Oh! C'est comme ça que tu comptes gagner. Je me demande,
Je me demande, vraiment, vraiment, je ne sais pas où Tiff est allé chercher ses filles. Nous avons 7 jours. 7 jours dans cette grande maison. Ça aurait été mieux si c'était à l'extérieur. Judith, le temps presse. Je n'ai pas de meilleure carte que celle-ci. Na di besti kadiyo, di besti kadiyo. Onyo muna playo kado fumene, playo kadiyo. Na di besti kadiyo, di besti kadiyo. Joy, this is a game. My candy will reach right inside the game. It's another game. So be wise, play your kadiyo. Sang de Jésus, aïe! Que fais-tu? Même si tu ne respectes pas le fait d'être ici, au moins respecte Dieu. Respecte Dieu. Quel est ton problème? Je m'adresse à toi. Hein? Le fait que je sois là, à me relaxer et prendre de l'air. Ai-je mentionné ton nom? Que je te dise, tu vois comment est ton visage? Si ça ne te plaît pas, hein? Je vais réarranger ton visage. Je vais refaire ton visage. Ne m'essaye même pas, oh. Ne m'essaye pas. Je sais pourquoi je suis ici, oh. Tu m'as entendu? Stupide. Regarde ta vie. Tu t'es repenti. Tu es content, n'est-ce pas? Attends, j'acclame pour toi. Est-ce que tu me menaces? La fille de Sion, moi? Ne me laisse pas te dénoncer à mon créateur quand... J'aurais fini de te dénoncer à Chief. Sainte Marie. Hein? Tu veux rapporter les ragots, n'est-ce pas? Hein? Tu veux peut-être te créer des ennuis? Écoute, si tu aimes bien ta vie, hein? Dans cette maison où nous sommes, occupe-toi de tes oignons. Tout ce qui concerne ma personne, fais juste comme si tu n'avais rien vu. Tu m'entends bien? Sinon, je vais t'évanouir. Je vais te blinder correctement. Allez! Disparaît. Va-t'en. Dégage. Regardez-la. Hé! T'es chanceuse. Reviens la prochaine fois. Je te montrerai comment on court dans la rue. Où vas-tu? Je vais aller chercher quelque chose. La règle dit pas de sortie pendant 7 jours. Alors pourquoi veux-tu aller en l'encontre des règles et règlements? Pourquoi, madame? S'il te plaît, hein? Cette chose est vraiment importante pour moi. Vraiment importante. Hein? J'en ai urgemment besoin. S'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce qui est urgent? Tu n'as pas besoin de savoir, hein? Parce que je sais que tu... Hein? Je sais que tu ne peux pas m'aider. Hmm? Tu dis? J'ai dit que je sais que tu ne peux pas m'aider. Madame, ne me manquez pas de respect. Madame, ne me manquez pas de respect. Ne m'insultez pas, non. Je ne le permets pas. Hmm? Écoute, au cas où tu l'ignores, j'ai la solution à tout problème. Oui. J'ai la solution à tout problème, madame. Hein? Alors, ne m'insulte plus, ok? Oui. Peu importe le problème. Je vais résoudre. Oui, je suis peut-être petit de corps, mais j'ai un gros engin. Petit corps, gros engin. Où est ce gros engin? Parce que je ne peux pas le voir. Où est-il? Ah, ne t'inquiète pas, tu ne comprends pas. Écoute, c'est très important pour moi. Je ne peux pas attendre. Je dois partir, s'il te plaît.
Non, 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 non. Retourne-toi et rentre à l'intérieur. Merci, madame. S'il te plaît. Hein? Allez, hein? Laisse-moi partir. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, chef. Qui es-tu? C'est Judith, l'une des participantes. Oh. Alors, que veux-tu? Chef, j'étais seule. J'ai pensé qu'il serait judicieux de venir vous faire un petit message. Vous savez, c'est l'une de mes nombreuses qualités. Savez-vous vraiment faire un massage? Bien sûr, chef. Ça, c'est ma spécialité. Quand j'aurai fini de vous masser, vous vous sentirez très très bien. Venez, chef, vous allez apprécier. Laissez-moi vous aider. C'est aussi pour ça que nous sommes là. C'est qui est là? Tous les deux, je suis désolé, sortez. Hey! Sortez tous les deux. Où est-il? Ah. Où est-il? Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est à ce niveau que tu peux descendre pour assouvir tes pulsions sexuelles? Ce n'est pas ce que tu crois, hein? Mm-hmm. Le feu était trop brûlant. Et j'avais besoin de quelque chose en urgence. Non. Pour l'éteindre, tu comprends. Ah. Oh, Zor, ce n'est pas ce que tu crois, ok? Alors calme-toi. Sais-tu à quoi je pense en ce moment? Je pense que tu en as marre de ton travail. Je pense que tu en as marre de garder ton travail. Quant à toi, tu es une idiote. Pourquoi es-tu ici? Juste prier pour que je ne le dise pas à toi. Ah, s'il te plaît, tu n'as pas à le faire, hein? Écoute, si tu veux, je viendrai te le donner. Quoi? Tu vas aimer. Chut. Tu vas aimer, hein? ne t'inquiète pas de rien, Jatif. Je viendrai te voir plus tard. Écoute, ne t'inquiète pas. Il ne dira rien, Jatif. Je vais me rassurer de le convaincre. Oui. Vraiment? Oui, mais... tu vas me faire une promesse. Quelle promesse? Que tu viendras toujours me donner à ton moment, chaque jour. Ne t'inquiète pas, tu sais bien que tu as un gros engin. Oui. Quand tu auras besoin de moi, je serai là. Merci. Quand ce sera debout, je serai là. C'est moi, Ekaïta. Ekaïta. D'accord. Wow. Wow. Quoi? Wow! Qu'est-ce qui me touche? Voulez-vous savoir ce que c'est? C'est si doux à toucher. Oh! Je sais que vous aimez. C'est si agréable. Qui est-ce? Chef, ce n'est personne. Juste ma jambe, je l'ai heurtée. Chef, oh,
Vous l'aimez? Est-ce tes seins? Oui, ça l'est. Ils sont gros. Ah, je sais. Vous aimez quand ils sont gros. Bien sûr. Ma femme avait des gros seins. Aussi, plusieurs de mes concubines. Waouh. Alors, ça veut dire que je les aimais bien. Mais maintenant, je n'ai plus cette chance. Oh. Et si je vous disais que vous pouvez avoir ceci? Non. Ceci, c'est pour mon fils. Chef, ça pourrait être pour ton fils et pour toi également. Sauf si vous êtes prêt à m'épouser. Non, c'est un tabou. Non, chef, ce n'est pas un tabou. Bien sûr que c'est permis. Touchez, chef, touchez. Vous allez aimer. Hé, quoi de neuf? Quand rentres-tu de Londres? Oh, pas maintenant? Pas de problème, je pense que je te verrai donc à Londres. Oui, je suis ici juste pour 7 jours. Après ces 7 jours, j'irai à Atlanta, d'Atlanta pour New York, ensuite Manchi. Ouais, je serai à Manchi pour quelques jours et je te retrouverai à Londres. Nous allons nous éclater comme d'hab, prendre du bon temps, avoir du fun ensemble comme d'habitude. D'accord, ma puce, je te verrai bientôt. Es-tu sérieuse? Pourquoi? Une minute, nous en reparlerons. Il y a un épouvantail placé juste devant moi. Il est juste là. Laisse-moi m'occuper de lui, je te rappelle. Ce sujet est trop intéressant. Je te rappelle tout de suite. Une minute, ma puce. Comment puis-je t'aider? Tu sais, dans cette maison, les gens se battent et jouent à des jeux. Mais je t'aime beaucoup. J'aime tout chez toi. Ta personnalité, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu te comportes. Ah. S'il te plaît, puis-je être ta meilleure amie? Oh, elle vient juste de m'insulter. Genre, tu viens de me donner une grosse insulte. Comment oses-tu demander à être ma meilleure amie? Tu es sérieuse là? As-tu vu le fossé? Genre, le fossé entre nous? Tu as une gibasse. Tu ne peux pas être du même rang que moi. Écoute, venir ici était juste pour rendre un service à Chief. Pas parce que je veux me mettre en compétition pour son fils comme vous autres ici. Alors tu dois m'accorder un peu de respect parce que je ne suis pas du même rang que toi. Comment oses-tu venir me demander « Ah, s'il te plaît, puis j'irai ta meilleure amie. » Es-tu folle? Ah, tous ces insultes parce que je vais être ton amie. Tais-toi! As-tu oublié qu'on a été créé par le même Dieu et avec la même matière brute? Oh non! Dieu n'a jamais utilisé la matière brute sur moi. Il a utilisé de la poudre d'or, de diamants, de l'argent et tout ce qu'il y a de beau dans ce monde pour me créer. Pas de matière brute, ok? As-tu entendu ça? Alors, nous n'avons pas été créés de la même façon. Je mérite des excuses. Maintenant. Va-t'en. Va-t'en. J'avais une douce conversation avec mon ami du Royaume-Uni. Et toi, tu es venu l'interrompre avec ta stupide requête. Tu ne connais pas ta classe et même pas ton niveau. Parce que je suis venu dans cet endroit. Oh, Chief devrait remercier son Dieu que je sois venu ici. Sinon, toutes ces filles stupides et cochons ne me parleraient pas. Elles ne me verraient même pas. Mes voyages en classe affaires me manquent. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu aimerais vivre longtemps, n'est-ce pas? Oui. Ah, oui. Alors, si tu désires vraiment vivre longtemps, n'essaie jamais dans ta vie, soufflez un mot de ce que tu as vu aujourd'hui. Alors sinon, grand-mère, je vais te tuer. Je vais prendre ta vie rapidement, mes béas.
M'as-tu entendu? Ce sont des mots très forts. Et tu le dis avec tant d'aisance. L'as-tu déjà fait avant? Si je l'ai déjà fait avant. Non. Mais je commencerai par toi. Je commencerai par quiconque voudra se mettre à travers de mon chemin. Je te tuerai. Igebea, ta misérable vie, je l'abrégerai. Tu ne connais pas, je suis une tueuse. M'as-tu entendu? Everybody, play your cardio. Play your cardio. Now the best cardio. The best cardio. When you play your cardio, for man. Play your cardio. Now the best cardio. The best cardio. This is a game. My candy will return. Right inside the game. It's another. Le désespoir est un mal. Pourquoi le dis-tu? Le caractère des filles d'ici est une autre chose. Tu sais même pas une d'entre elles, une seule, que je puisse conseiller à Chief comme femme pour son fils. Même pas une seule. Ouais, tu en veux une, Felicia? Pas de nourriture pour l'instant. Mais Tontine, n'est-il pas encore assez tôt pour conclure? Ces filles viennent juste d'arriver. Je veux dire, elles ont encore quelques jours et toi tu conclus déjà. Si seulement tu savais ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis même très déçue de Chief. Honnêtement, je suis très déçue de lui. Hey! Que s'est-il vraiment passé? Je ne pense pas que je puisse te faire assez confiance parce que j'ai peur que tu puisses le dire à quelqu'un d'autre. Tontine, tu me connais. Tu connais que je ne suis pas un garçon bavard. Hein? Je ne suis pas bavard. Que se passe-t-il? Dis-moi. Chief couche-t-il avec l'une des filles? Chut! Tais-toi. Je n'ai encore rien dit que tu commences déjà à bavarder. Alors, je ne te dirai plus rien du tout. Ah! C'est ainsi que tu comptes révéler mon secret? Ben non, je ne te dirai rien. Donne-moi une tranche. Une tranche? Au moins, on se taira en mangeant. Allez, tata. J'espère qu'elles ne sont pas en train de nous écouter. Que s'est-il passé? Quoi? Dis-moi, que se passe-t-il? Mais pourquoi ferais-tu ça? Non, imagine que le fils de Chief la choisisse pour épouse et il s'avère que le gardien, l'agent de sécurité, est couché avec elle. L'ai-je violée? Non,
L'ai-je obligée? La réponse est non. Et même si je ne l'avais pas fait avec elle, je suis sûr qu'elle aurait trouvé quelqu'un d'autre avec qui le faire. Parce que cette fille est accro au sexe. Hein? C'est une obsédée sexuelle. Au moins, en signe de loyauté, que ce ne soit pas toi. Que ce soit une autre personne qui le fasse pas toi. Mon ami, je ne suis loyal à la personne. Je ne suis loyal à la personne. Même pas au Tiff lui-même. Ok? Écoute, si la femme du Tiff m'offre cette chose, hein? Mon frère, je vais manger et essuyer ma bouche. De toute façon, c'est le chien qui voit la merde dans sa bouche, hein? Qui est le mangeur de merde. Arrête avec tes conneries. Sois juste sage et prie de ne pas être surpris. Prie seulement. Qui va me surprendre? Non, qui va me surprendre? C'est Jeff? C'est aveugle? Non. Oublie ça, mec. Je pense que Tiff a un espion. Un espion? Oui. Qui cela peut-il être? Toi? Car je suis sûr que ce n'est pas moi. Je soupçonne Tata Felicia. Ou l'une de ses filles. C'est pour ça que je ne cesse de te dire de faire attention parce que si Tiff découvre que tu sors avec l'une de ses filles... Oh, idiot, tu seras viré. Okweme ne se fera jamais surprendre. Hein? Écoute, encore tu ne sais pas, mec. Je suis comme le vent de l'air. Je ne peux me faire surprendre. En effet, ne jamais se faire surprendre, c'est la règle que la rue m'a enseignée. Tu es comme le vent. Oui. Tu souffles comme le vent. Personne ne peut te surprendre. Personne. Personne ne peut te surprendre, car tu es comme le vent. Sans te passer, qui es-tu? Hein? Je suis le cuisinier de Tiff. Oh, le cuisinier de Tiff. Le cuisinier de Tiff. Oui. Écoute comment ta bouche le dit avec toute l'assurance. Cuisinier de Tiff. Redescends sur terre et arrête avec tes grands airs, mec. Si c'est un challenge, sache qu'il n'y aura pas à manger cet après-midi. Oh. Il n'y aura peut-être rien à manger. Il n'y aura rien. Tu es mon frère. Il n'y aura rien à manger. Il n'y aura rien à manger. Le gaz est même fini. Le gaz est fini. Aïe! J'ai trop hâte. Aïe, j'ai trop hâte de te voir bientôt. Excuse-moi. Ce sera trop génial. Excuse-moi. Qu'est-ce que c'est? Tu ne m'as pas vu faire des vidéos. La moindre des choses serait de t'excuser. Tu faisais des vidéos? Je ne t'ai pas vu. Et si je t'avais vu? Et alors? Alors, je ne peux plus chanter dans cet endroit? Oh mon Dieu, cette insolence devient de trop. Écoute, tu ne pouvais même pas me parler si tu m'avais rencontré aux États-Unis. Pourquoi je te le dis même? Tu ne peux même pas t'offrir un voyage à Lagos. N'en parlons pas d'aller aux États-Unis. S'il te plaît, nous ne sommes pas du même rang. Reste de ton côté et arrête ce manque de respect. J'espère que tous ces abus ne sont pas pour moi, n'est-ce pas? Qui d'autre est ici? Ils sont pour toi. Que vas-tu faire? Remets la musique pour voir. Remets la musique! L'idiot me met au défi. Tu m'as frappé? Tu m'as frappé? Tu es folle? Es-tu folle? Hey! Hein? Arrêtez de bagarrer! Arrêtez! Ah! Arrêtez de bagarrer! Qu'est-ce que c'est? Ah! Mais voir! T'as-je demandé de l'aide? Pourquoi la bagarre? Remets la musique! Ah! Pourquoi vous bagarrez-vous? Arrêtez de bagarrer. Arrêtez. Aïe. Reviens ici. Reviens là. Aïe.
Salut ma puce. Je m'appelle Judith. Je ne t'ai pas demandé ton nom. Oh. Je sais que tu ne l'as pas demandé. J'ai pensé que je pouvais te le dire puisque nous sommes collègues. Nous ne le sommes pas. En fait, nous sommes des rivales. Ce n'est pas mal. Le fait d'être mon ami ne t'empêchera pas d'atteindre ton objectif d'être élu. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai pas besoin d'amis. Comprends-le. Les filles de cette maison sont en train de faire équipe. C'est pourquoi je suis venue te voir. Je t'aime bien. J'aime beaucoup ta personnalité. Nous pouvons le faire ensemble. Si tu veux le savoir, j'ai pas besoin d'équipe. Je suis une bonne solitaire. S'il te plaît, va-t'en. Tu m'étouffes là avec ta meilleure cas. N'importe quoi. Waouh. Es-tu jalouse de ma poitrine là? Tu sais quoi, je suis contente que tu l'aies remarqué. Bonne journée. Jalousie, mon œil. Tu es fou? Je suis Chris. Quoi? T'ai-je invité? Comment oses-tu venir apparaître dans mes rêves et m'embrasser? Hey! Comment oses-tu m'embrasser dans mes rêves? Comment oses-tu avec ta sale et puante bouche? Quoi? Oh mon Dieu! Essaye ça la prochaine fois et tu verras ce que je te ferai, cinglé. Idiot, je vais te l'arracher, je vais l'écraser, je vais te donner une leçon. Non, 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 hey, fou, c'est tout à fait inacceptable. Quoi? Je vais t'étrangler, te tuer. Belinda. Quoi? Reste en dehors, reste en dehors. Essaye une prochaine fois. Wow. Il m'a embrassé. Désolé. Il m'a embrassé. Désolé. Tu m'as embrassé. Hey. Merde. Oh. Une minute, hein? Qu'est-ce hey. Qui se passe? Hein? Beau gosse. Ozan, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas vu meilleur endroit, n'est-ce Ozan. Pas? Tu as choisi d'être un Regardez-le-moi. N'est-ce pas dans la vraie vie qu'on courtise quelqu'un? Il a choisi plutôt les rêves pour aller s'exprimer. Mari de nuit. Ce sont ces maris de nuit qu'on combat beau à l'église. Gosse. Que dites-vous? Hey, pauvre d'elle, elle est courtisée par les maris de nuit. Belinda a quand même exagéré. Pourquoi le gifler? C'est pour la petite gifle qu'on lui a donnée que tu te plains. Elle veut lui arracher ça. Moi, j'aurais coupé cette chose. Moi? Revenez, vous savez, j'étais assis là, occupé dans mes tâches. Quand j'ai entendu une gifle par la télé gifler, êtes-vous sérieuse? Quoi? Ozor, qu'as-tu fait? Hein? Tu viens de recevoir une gifle. Une gifle gratuite. Gifle gratuite. Quoi?
cette insolence devient de trop. Il ose t'embrasser. Genre, sérieusement, c'est trop dégoûtant. Dans un rêve, comment ose-t-il m'embrasser? C'est vraiment un vrai cauchemar. Un horrible cauchemar. Tofia. Hey, tu dois vraiment faire attention. Tu dois vraiment faire très attention pour ne pas finir dans son lit. Que Dieu m'en préserve. Quoi? Ma puce, c'est parce que tu ne connais pas le genre de gars que je fréquente. Je traîne avec des médecins étrangers, les fils de sénateurs, les pays, ces présidents européens. Ils me font voyager en première classe pour le Bahamas tout le temps. Tu comprends? Alors je ne comprends pas pourquoi moi, je pourrais me retrouver dans son lit. Dis Tofia. Tofia? Ouais, merci. Dis-moi la vérité. Si tu avais été vraiment avec ces gens que tu viens de mentionner, alors que fais-tu ici avec nous? Ici? Je suis ici parce que Tifa a appelé mon père, le suppliant, de me laisser participer à cette compétition. Je suis ici juste pour faire une faveur à Tifa. Il a supplié mon père encore et encore pour que je vienne. C'était du genre, tu sais, je veux que ma famille soit rattachée à la tienne. Alors, ce serait bien que mon fils choisisse ta fille, tu comprends? Alors, je suis ici pour leur faire une faveur. Je vais les rendre populaires. Genre, les rendre célèbres. Ma puce, rends-moi un service. Tu peux oublier ce côté. Parce que tu vois Douglas. Qui est? Il est? Qui est ton père déjà? Bon après-midi. Bon après-midi. Bonjour. Tu es toujours isolée. Tu ne te mêles pas souvent avec les autres filles de cette maison. Pourquoi? Parce que je déteste la comédie et crois-moi, c'est la meilleure façon de l'éviter. Tu as raison. Tu as tout à fait raison car les filles de cette maison sont vraiment... vraiment comique. Et je pense que je t'aime bien. Pardon? Sans vouloir t'offenser, c'est juste que j'aime ton comportement et la façon dont tu es discrète. C'est mieux. Et je me disais que nous pourrions peut-être devenir amis, de bons amis. Je ne suis pas venue ici pour me faire des amis avec des cuisiniers, ni avec personne. J'ai entendu. Je sais que je suis cuisinier. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Mais je suis toujours seul et personne à qui parler. Donc, je me disais que nous pourrions probablement devenir amis, se tenir compagnie, échanger, tu vois, pour que tu ne sois pas seul. Si tu en as marre d'être seul, alors va te chercher ailleurs. Genre, en m'arrachant moi-même la vie. En me donnant la mort, en m'étouffant avec une corde, ainsi. Je m'étranglerai ainsi. Elle me laisse seule. Hé! Hé hé! Jeune dame! Oh! Tu veux sortir, hein? Écoute pour ton information. J'ai des caméras. Des caméras de surveillance. Oui, je suis professionnel dans mon boulot. Ah. C'est clair. Gar, c'est comment? Comment tu vas? Je vais bien. Comment puis-je t'aider? Je vais rapidement sortir pour une urgence. Hein? Tu veux sortir pour une urgence? Oui. Ok, ok. Mais la règle dit, personne ne sort avant 7 jours. Alors, c'est non pour toi. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu me parles de cette manière, moi? J'ai dit que je voulais sortir, en fait.
Je vais être sincère avec toi. Que tu le saches, je vais acheter de l'herbe. L'herbe, l'herbe. Ah, là, je perds la tête. Je voudrais remettre mes idées en place. Je perds vraiment la tête. Quoi? Tu fumes? Oh, tu... Tu fumes. Idiot. Je vais acheter de l'herbe. Je vais acheter de l'hibo. Je veux planer. Tu as bien compris maintenant? Alors, tu fumes. Tu... Tu fumes. Maman? Maman? C'est moi, sans, sans, sans. Quoi de neuf? As-tu de la weed? Bien sûr. Soso, file-moi une. C'est comme ça que... Non, 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 t'inquiète, c'est bon. À plus. Ok. Allô? Oui, allô bébé, quoi de neuf? Livraison à domicile, comme d'hab. Okwemé? Ah, c'est vraiment toi? Ça fait un bail. Où étais-tu pendant tout ce temps? Où étais-tu? Ok. Une minute. Pour combien? 1000 naira. Un gros filon de la bonne qualité. Qu'on ne mélange pas. D'accord. Allô bébé, écoute. Apporte-moi un filon pour 1000 naira. Oui, du bon. Du bon, oui. Un filon? D'accord, aucun souci, j'arrive tout de suite. Bien, Izioma. Izioma! Oui, apporte le paquet, celui que j'ai posé sur le banc. Hey! Oh, quoi, mais... Oh, apporte ma jaquette et mon sac. Ah, ah. Écoute, je vais chez Chief Luce. M'entends-tu? Chez Chief? Oui, je vais là-bas. Alors, cette nouvelle cliente qui vient. Tu vois bien de qui est-ce que je parle, n'est-ce celui pas? Celui qui est gros. Exact. Quand elle arrivera, donne-lui le paquet bleu que j'ai gardé là-bas. Ce paquet oui. bleu-là, donne-lui. Tu prends 5000 d'elle. 5000 naira. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai compris, madame. Qu'elle te donne 5000 euros. Ok. Soyez prudente, madame. Oh. Alors? Alors tu aimes. Tu aimes ça? Sérieux? Tu aimes? N'est-ce pas? Oui. Tu aimes te sentir ainsi. Cette chose me met à l'aise. Ne me pose pas de questions. Je me sens très bien. Ok. Ici, c'est mon coin. Chaque fois que je veux me connecter au monde, je me retire ici. Tout discrètement, je me retire ici. Hein? Entends-toi. Tu vois ta vie? T'as un coin comme ceci. Et moi, je souffre pour me cacher sous cet arbre. Pour tirer. Et cette fille stupide... Qui pense qu'elle est au centre de tout le monde, vient me déranger. Ah. Tu n'as pas demandé, hein? C'est la personne qui veut savoir qui demande, tu comprends? Tu vois ceci? Je vais t'arracher les yeux de leur orbite. Ne discute pas. Je te parle, tu continues de regarder là? Je vais enfoncer mes doigts dans tes yeux. Tu vois ces deux doigts? Ils vont crever tes yeux. Ils vont t'arracher les yeux pour ceci. Alors tu veux dire que... Ne raisonne pas. Ce n'est pas ton niveau. Tu n'as pas encore l'âge pour ceci. Tu m'as entendu? Ok, c'est sage. Si tu veux que nous restions de bons amis dans cette maison, je ne te respecte comprends pas. Cela. Je peux te demander quelque chose? Mes oreilles que tu vois là sont connectées. Très bien. Regarde, regarde. C'est avec ceci que tu comptes gagner le cœur du fils qui? Du chef. Il m'intéresse pas. Il m'intéresse pas, oh. Même son papa aveugle, je ne suis pas intéressée. Je ne le vois pas. Tout comme il ne me voit pas, je ne le vois pas moi non plus. Donc arrête de me parler de ça. Alors qu'est-ce que tu es venu faire ici? Quand tu as quitté le chez-toi pour ici,
Quelle était ta motivation quand tu venais ici? Qu'est-ce que tu venais faire ici? Regarde-moi quand tu me parles pour qu'en retour, je puisse bien te répondre. 5 millions de naira, c'est ton niveau? Comme tu me vois ici, si j'ajoute 5 millions de naira, si on ajoute ça à ma vie, tu ne sais pas ce que l'argent peut. Qui est-ce? 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 Play your cardio, play your cardio. Now the best cardio, the best cardio. On your mona, play your cardio for money, play your cardio. Now the best cardio, the best cardio. This is a game. My candy will reach in, right inside the game. It's another game. So be wise. Play your card well, well. The best card they go win now. Joy, some are fake. Why some are real? Some are using their woman power to get you what they want. Salut, Judith. Ruth, bonjour. Quoi que tu es en train de penser? Rassure-toi que ce soit en accord avec Dieu. La parole de Dieu dit dans Deutéronome que nos cœurs sont ouverts à Dieu et il voit et sait tout ce que nous pensons et il nous répondra. Dieu a répondu à tes prières. Apprends à t'occuper de tes affaires dans cette maison. Et pourquoi t'éloignes-tu de tes bénédictions? Peux-tu te dépêcher? Everybody play your cardio, play your cardio. Now the best cardio, the best cardio. When you wanna play your cardio, for man, play your cardio. Désolé. Now the best cardio, the best cardio. Quoi? Reviens ici. Avez-vous besoin d'autre chose? Que viens-tu de me servir, là? Mais vous n'avez pas au préalable goûté votre repas avant de juger si c'était à votre goût ou pas. Maintenant, tu veux m'apprendre comment apprécier mon plat? Es-tu malade? Sais-tu combien de servantes chez mon père sont à mon service? Comment oses-tu me servir ça? Je suis désolé, madame. Sois désolé pour toi. Maintenant, remue ton derrière hors de ma vue. Ma bourge, es-tu obligée d'alerter le monde entier pour jouer les importantes? Qui parle? Oh, toi? Eh bien, je ne pense pas t'avoir sonné. Tu n'as pas besoin de mentionner mon nom, sinon je te mettrai aussi bas que tu l'es déjà. Arrête de polluer l'environnement avec ta voix. Je vois. Ojo, maintenant je sais que tu es mon ennemi. Mais ne t'inquiète pas. Je vais te mettre à ta place. Ma bourse, fais attention.
avant de t'en prendre à une comme moi. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me rendes un service. Eh bien, c'est en mes pouvoirs. Pourquoi pas? Ok. Je veux aller acheter quelque chose. C'est très important. Très important. Eh bien, c'est au-dessus de mes forces. Tu connais les règles, donc je ne peux pas les briser. Je sais, je connais la règle. C'est la raison pour laquelle je suis en train de te supplier. Oh! Très bien. La meilleure chose que je puisse faire pour toi, c'est de t'aider à trouver ce que tu veux. Mais te laisser sortir. Non. Je vais te donner 5 000. Tu dis? Je vais te donner 5 000. Quoi? Même pas 10 000? 5 000, c'est peu. Allez, je veux plus. Je veux plus. Quoi? 5 000 est trop peu. Et tu es ici? Écoute. Je vais te donner 15. Vingt mille, c'est mon dernier mot. Hein? Oui. Hein? Si, ce n'est pas important. Alors? Hâte. Vas-tu prendre ou pas? Wow! Hé, hey, rassure-toi de rentrer à l'heure. Si tu ne rentres pas à l'heure, hein? Quoi? Ah, c'est ton repas? Bien sûr que c'est mon repas. Ne te fâche pas. Je ne savais pas qu'il était à toi. Tu ne le savais pas? Tu es censé te demander avant de manger. Ah, je suis désolée. Je ne savais pas. Hé, arrête avec ça. Je veux un autre plat. Tout de suite. C'est à moi que tu donnes des ordres? Écoute, je suis vraiment sérieuse. Remplace ma nourriture, tout de suite. Quelqu'un cherche des ennuis. Tu veux en prendre une? Tu veux en prendre une? Nikki, laisse-moi t'avertir. Hein? Si tu ne remplaces pas immédiatement ce plat, hein? Je vais m'occuper de toi. Je parle, je te parle. Tu veux que je te brise la tête? J'ai dit remplace mon plat tout de suite, espèce de folle. Tu es malade ou quoi? Je pense que là, c'en est de trop. Je vais te régler ton compte. Je vais te découper en morceaux. Tu ne peux pas te battre avec tes mains. Essaye de... Tu es malade. Tu ne peux rien faire. Je vais te... Tu ne peux rien faire. Essaye voir. Dépose ces chaises.
Je vais connaître la vérité. Et rien que la vérité. Qu'est-ce que ces chiffres? Qui parmi les filles est le meilleur choix pour mon fils? Tiff, ceci est le plus dur. Je choisirai de ne rien dire. Pourquoi? D'accord. Il n'y a pas trop de différence parmi les filles. Alors, je proposerai que votre fils rentre et parmi elles, choisisse une, celle avec qui il est compatible. Pourquoi dis-tu qu'il y a trop de différence? Ont-elles fait quelque chose de mal? Non, non. Chief. Dis-tu la vérité ou tu choisis de ne rien dire? Okwemi, Chief a clairement donné des instructions pour qu'il n'y ait pas d'entrée et de sortie avant 7 jours. Pourquoi ne peux-tu pas respecter ça? Elle a payé 20 000, 20 billets. Elle a payé 20 000, 20 billets. Tu accordes plus d'importance à tout qu'à la loyauté, n'est-ce pas? Hein? Ah, gars, laisse le gros français. Laisse le gros français. Je sais que tu veux ta part. Ne t'inquiète pas. Je vais te donner 1 000 naira. Je vois que tu es malade. Tu es malade. Tu dis? Si tu ne me donnes pas 10 000, tu auras des problèmes. Ne me défie pas. Ah! Calme-toi, mais calme-toi! Hein? Ok. Je vais te donner 5 000. 5 000. Chief. Eh, reviens, mais reviens, non. Ah ah. Pourquoi tu t'énerves? Juste cette petite blague que je veux te faire et toi, tu veux te fâcher. Calme-toi, mec. 10 000. Ou rien. Une minute. Tu es un voleur? Hein? Non, tu es un voleur? Ok, alors, laisse-moi te demander. Si c'est simple pour se faire de l'argent, pourquoi es-tu ici à cuisiner? Mon frère, calme-toi. C'est déjà de l'insolence, n'est-ce pas? 5 000. Qui? Ah, oh, reviens, non. Ah, ah, ah. Tu es mon frère, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Apporte. Calme-toi. Apporte. Hmm? Apporte les 5 000. Hein? Tu veux dire? Je vais changer d'avis. Ah, ah. Ne t'inquiète pas. Chief. Calme-toi, non. Calme-toi. Dépêche-toi. Écoute. Une minute, je reviens. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Voleur, je vais m'occuper de toi. Voleur. Dépêche-toi. Chief. Vraiment. Je voyage pour les États-Unis tous les 2 mois, de là en Europe. Tu sais, j'étudie à Paris. Paris? Oui. Il y a des universités à Paris. Oui, et à Lyon. Je voyage partout. Hey. On aurait tout vu dans cette maison. Hein? À qui appartient ce sale épuis en dessous? Qui parmi vous a laissé ce sale déchet de dessous à la salle de bain? Qui? Regardez très bien, regardez. C'est pour toi? Est-ce pour toi? C'est toi qui l'as? Et personne ne veut parler, n'est-ce pas? Belinda, ce n'est pas à toi. Pardon? Écoute, je porte juste des marques de chez Victoria's Secret. D'accord? Excuse-moi. Ce n'est pas ton sous-vêtement. Qu'as-tu vu sur moi? Genre, tu m'as déshabillée pour voir ceci? Hey, je ne porte pas de friperie. Mes dessous viennent de chez Victoria's Secret. Ils sont tous de marque, ok? Waouh.
Oh, ça veut dire que maintenant, personne ne veut reconnaître et dire qu'il est à moi, hein? Cette chose qui sent les urines, personne ne veut parler, c'est ça? Ok, vous inquiétez pas. Ah! Yes! Vous inquiétez pas. Alors, il n'est pas à toi. Il n'est à personne, n'est-ce pas? Pas de problème. Je vais garder ce slip. Je vais le garder. Alors, je vais le vendre aux arnaqueurs. Et vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Beaucoup d'argent, je percevrai. Il est à toi? Belinda, ceci n'est pas à toi. Hé, tu le portes depuis le jour où nous sommes arrivés. Es-tu folle? Mais je t'ai vu porter ceci avant. Hey! Tu es stupide? Oui. Regarde-toi. Madame la bourgeoise, toujours là se vanter à se mettre plein la vue. Je crois en ce qu'elle dit. Regarde. Comment un slip peut sentir aussi mauvais? Ton millionnaire de papa ne peut pas t'acheter de bonnes choses. Quoi? Hein? Aussi grande que tu t'auto-proclames. Laver un slip te dépasse. Le truc sent comme du poisson. Regarde. Comment oses-tu parler de mon père? Dans toute ta putain de vie misérable, n'ose plus jamais parler de mon père dans aucune de tes stupides conversations. Elle ose parler? Tu en veux une? Hé, je te jure, j'entends encore un mot sortir de ta bouche. Hé, ce que je vais te faire, hey, tu ne vas pas aimer. Qu'est-ce que c'est? Mais plus, ne laisse pas cette chose t'intimider, d'accord? Ne la laisse pas t'intimider. Dis-lui qu'elle est une pute. Bien sûr qu'elle est une pute. Traite-la de pute. Hey. Pute, dis prostituée. Tu oses me regarder droit dans les yeux en disant que je suis une pute? Tu es une pute. Oh. Hein? Quand tu me regardes, tu n'as pas peur de moi? Même oh, si... Oui. Mais plus, réponds à cette peur. Fille. Réponds t'inquiète à cette pas. Fille, je suis là pour t'inquiète toi. T'inquiète pas. Non. Arrêtez de vous battre. Attendez. Non. C'est bon. Ça, c'est du lourd. Hi. Oh. Je me rappelle beaucoup de choses que j'avais oubliées. Mickey, j'étais en train de te chercher. Oh, vraiment? Oui. Un problème? Non, c'est juste que j'avais envie de te parler. Vraiment? Hey. Toi, ce beau gosse. Hein? Toi et moi ne sommes pas sur la même fréquence. En tout cas, tu veux fumer un peu? Non, je ne fume pas. Ah. Ça veut dire que ça ne marchera pas. Raisonne par toi-même. Hein? Ça ne donne pas. De quoi pouvons-nous parler? Pourtant, tu ne me suis pas dans la même lancée. Ça ne donne pas. Ouais. Bon, que je te dise un truc. Hein. T'es vraiment beau, hein? Hein? Merci. Ce n'est pas tout le monde qui peut te le dire ici. Tu raisonnes mieux quand tu prends ceci. Tu m'entends? Mes conseils sont gratuits. Va te chercher autre chose à faire, hein? T'as bien compris? Merci. Personne ne te dira ces choses que je te dis là, tu vois? Du boulot. Hein? Dès que tu prends cette chose, tu vois, ton cerveau travaillera 24 sur 24. Tu m'entends bien? Je ne raisonne pas bien. Hein? Alors dis-moi, de quoi voulais-tu me parler? J'écoute. D'accord. J'étais en train de penser. Ne penses-tu pas que tu prends trop de drogue pour une femme? Hein? Pardon? Tu n'as pas de vie? Hein? Tu vois ta vie? J'essaie d'être un peu courtoise avec toi. Et toi, tu viens tout gâter. Pour cela, je te vois pas t'asseoir à la même table que moi parce que je vais dire un truc et tu vas dire le contraire. Tu comprends? Il y a un fossé. Tu vois là où t'es? Jusqu'ici, il y a une distance. Je suis très loin de là où tu te trouves. Mais pas de problème, hein? T'inquiète. Retourne juste à ta cuisine.
Hein? Mais je te dis, cette chose que je tiens là n'est pas à négliger, oh. Tu m'entends? C'est de l'inspiration. Et c'est ça qui me donne tout le moral, toute l'énergie, tout le... J'espère que tu comprends. T'attends quoi encore? Vas-y. Ok, merci. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit, oh. Si tu veux bien, y goûter, essaye. Chief, vous m'avez fait appeler? Oui. Je veux que tu ailles informer les concurrentes que mon fils revient demain. Et que, de ce fait, elles devront toutes préparer un mets individuellement. Va et informe Félicia qu'elle devra les guider dans la préparation de ce mets. Et aussi que la gagnante de cette compétition repartira avec 1 million de naira. D'accord, Tiff. Je passerai immédiatement le message. Je ne sais pas comment m'y prendre avec cette tâche. Je ne comprends pas. Tu ne sais pas faire la cuisine? Si je savais cuisiner, je ne serais pas autant embêtée. Pourquoi ne sais-tu pas cuisiner? Je ne comprends pas. Ma puce, as-tu oublié que je viens d'une famille riche? Nous avons des cuisiniers qui cuisinent pour nous. Oui, nous avons des aides à la maison qui font les tâches pour nous. Alors, on ne m'autorise pas à faire la cuisine à la maison. En fait, mon père pourrait les renvoyer. Je pensais qu'ils ne viennent pas d'une famille riche. Je plains ces gens. Je t'assure. Hey. D'accord. Alors, quel mets as-tu choisi? La sauce gombo. Ah! Tu es chanceuse. La sauce gombo est l'un des mets les plus faciles et rapides et à préparer. Je ne sais comment faire. Facile et rapide à faire, mais je ne sais même pas comment commencer. Par où vais-je commencer? C'est quoi le gombo? Ah, il y a un problème. C'est quoi le gombo? D'accord. Oui. Ah, de toute façon, je vais t'aider. Tu le feras? Je vais essayer. Oh, merci. Merci. Oui, je sais. À quoi servent les amis? Merci. Si ce n'est dans de telles situations. Oh là là, merci. Je t'en prie. Alors tu vas cuisiner pour moi? Je vais t'aider. Je n'ai pas dit que je cuisinerais pour toi. M'apprendre ou préparer ça pour moi? Les deux. Merci, je t'aime. De rien. Merci. Tu es une bonne amie. Je sais. Alors quel est le mets que tu as choisi? La soupe Oa. C'est l'un des mets les plus faciles à préparer. Oh, je sais. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Mais tu m'as dit que tu ne voulais pas qu'on soit amis. Je n'ai pas dit le contraire. C'est pour ça que j'ai besoin d'aide. S'il te plaît, aide-moi. Tu n'es pas mon ami, donc tu dois payer. Tu dois payer, tu payes le service. Je payerai. Combien? Je n'ai pas assez sur moi, mais je peux dire 2000. C'est insignifiant. Très insignifiant. S'il te plaît. Tu sais que c'est difficile de te convaincre, non? S'il te plaît, j'ai besoin de cet argent. Tu as besoin de cet argent? Alors, pourquoi es-tu ici? Pour épouser Douglas ou l'argent? Alors, dis-moi, quel mets vas-tu faire? La soupe aux légumes. Ah, c'est facile. Une hibo. Ce sera facile pour toi. Arrête, pas vraiment. J'aurais aimé plutôt le gombo. C'est mon préféré. Le gombo? D'accord, qui l'a eu? Judith. Et tu sais quoi? T'es chanceuse. Pourquoi le dis-tu? Tu as choisi ton mets traditionnel, la sauce afam. Tu as vu ce qui s'est passé? Hein?
J'étais plutôt pour la sauce au noir. Mais Félicia m'a demandé d'échanger avec Mickey, qui avait la sauce à fang. Ce n'est pas juste. Elle aurait dû changer pour tout le monde. Ah, mais elle n'avait aucune raison de le faire. Hein? Ça aurait été méchant de laisser Mickey faire la sauce à fang. Pourtant, je sais qu'elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas, oui. Ok. T'es chanceuse, c'est évident. Je suis toujours chanceuse. Ne t'en fais pas. Je vais gagner. Je donnerai le meilleur de moi. Écoutez-la. Je te souhaite le meilleur. Devine quoi? Quand j'aurai fini de préparer cette soupe. Hey! Ma puce, si tu me vois, tu me diras « Mais serré ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Bonjour, tu vas me saluer. » Mais serré. Je pense que tu t'es suffisamment préparée pour participer à ce concours. Oui, je te remercie infiniment. Je t'en prie, mais tu ne gagneras peut-être pas. Mais si tu y mets beaucoup d'efforts, genre tous tes efforts, tu pourras. Tout dépendra de si tes rivales peuvent vraiment cuisiner. Mais quoi qu'il pourrait advenir, ne fais pas un mauvais mets. Merci du conseil. Je t'en prie. Je te souhaite bonne chance. Merci. Considère que c'est gagné. Eh oui. Donne le meilleur de toi. Je sais. Je compte sur toi, je serai dans la cuisine, ok? Ok. Merci. Mon homme. Il ne l'est pas. Ça, c'est mon homme. Père? Ça, c'est mon homme. Bienvenue, monsieur. Hey, bienvenue. Comment s'est passé le vol? Oh. Bienvenue, mon fils. Bienvenue. Bienvenue. J'espère que... Bien, merci. Vous m'avez manqué. Sérieusement? Toi aussi. Bienvenue. Comment tu vas, mon fils? Oui, père, je vais bien. Wow, vous êtes mon homme. Hey, Pourquoi ne pas aller à l'intérieur? Oui. Oh, c'est l'émotion, monsieur. Bienvenue. Allons-y. Bienvenue. Monsieur, bienvenue. Vous êtes le bienvenu. Les États-Unis. J'y étais déjà. Bienvenue, monsieur. J'y ai séjourné. Ekaïta, la plus belle. Chut. Tu me dis quoi? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, libérez. Faites-moi de la place. Qu'est-ce que c'est? Ah. L'avez-vous vu? Une minute. Libérez. Je suis bien mise. Vous avez vu ce mec? Lui, ce mec est une autre dimension. Il est chaud. Arrête d'être bouquet. Hé! Ressaisis-toi. Oh mon Dieu. C'est oh ainsi Dieu. Que les villageois se comportent. C'est comme ça que les villageois se comportent. N'importe quoi. Oh mon prince. J'ai choisi d'aller à l'intérieur. Qui l'a fait? C'est moi, mon chéri, mon amour. C'est moi, Ekaïta. C'est moi qui l'ai fait. Pas mal. Chut! Peux-tu te calmer? Merci. Un peu? Retiens-toi. Merci, qu'est-ce monsieur. Que c'est? Merci, monsieur. Ça, c'est à moi. Oh, mon Dieu! Ah. C'est trop salé.
que c'est? Vous aimez? Trop salé, désolé. Oh mon Dieu! Alors tu ne sais pas cuisiner. Et ceci? C'est moi. C'est Marie. Wow, pas mal. Ah, c'est à moi. Je sais que c'est bon. Bien. Je le sais. Et waouh. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Qui a fait ça? Oh mon Dieu! Qui l'a fait? Je l'ai fait. Tu l'as fait? Avec autant de sel? Oh mon Dieu! Mais quel gâchis! Je peux voir que tu ne t'es pas très bien appliquée. Je l'ai fait consciemment et je me suis appliquée. Je peux voir que ta mère n'a pas fait un bon travail. Non! Ne parle pas de ma mère ainsi. N'avez-vous pas un peu de respect? Un peu de respect. C'est de ma mère qu'on parle. Ferme-la. Réalises-tu à qui tu parles? Excusez-moi, vous ne méritez aucun respect pour avoir insulté ma mère. Avec plaisir, je sors. Hey, hey. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Où va-t-elle? Prince, calmez-vous. Ne vous occupez pas d'elle, qu'elle parte. Mais c'est moche! Je sais que ce n'est pas bien. Calmez-vous, s'il vous plaît. Où est-elle? Débarrasse! Débarrasse! Goûtez encore le mien. Immangeable! Trop salé. Épicé. Le mien est meilleur. Encore une fois? J'aime ça. Mais c'est ici. Pas salé? Je pense que je vais prendre ceci. C'est dans la poche. Je suis du lot. Vous pouvez débarrasser. Mikey, la seule et originale Mikey dans cette maison, c'est moi. Dégage avec ça. Tu viens de remporter 1 million de dollars. Oui, tu fais si vous du voulez, bruit. Monsieur, je peux vous en rajouter encore et encore. Ah, si vous le voulez bien, je vous en rajoute, monsieur. Oh, félicitations, c'est le meilleur. Merci, monsieur. Vous avez dit que le mien. Débarrassez, s'il vous plaît. Oh Dieu. Goûtez le mien. Je ne comprends pas. Débarrassez, s'il vous plaît. Le million. Aïe. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas faire l'effort de passer sans me bousculer, toi? Est-ce de ma faute si j'ai... C'est ça! Arrête-toi là! Pourquoi me suis-tu de gauche à droite? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu es une salope! Tu me demandes ce que tu as fait comme si tu ne le savais pas. Tu as intentionnellement voulu que les gens m'humilient. Je l'ai vu. Tu m'as fait préparer du poison pour que les gens se moquent de moi. Je ne savais pas qu'il y avait trop de sel dans ton repas. Je ne le savais pas. Tu ne savais pas. Oui. Jure, sale peste. Être maléfique. Jure que tu ne savais pas. Menteuse. Attends. Comment oses-tu? Comment oses-tu me parler ainsi? C'est de ma faute si tu ne sais pas faire à manger. Non, dis-moi. Où suis-je venue ici pour servir Belinda? C'est pour ça que je suis ici. Même dans tes rêves les plus fous. Tu ne pourras pas rivaliser avec moi dans cette compétition. Tu ne peux pas. Je vois. C'était ton plan, n'est-ce pas?
J'aurais dû le deviner. Genre, je te dois des excuses juste parce que j'ai eu un plan. Dois-je m'excuser, Belinda, parce que j'ai eu un plan? C'est ma... si ta mère ne t'a pas appris à faire la cuisine... Tu es diabolique. Je plains celle qui n'est pas diabolique. Je plains celle qui n'est pas du tout diabolique. Tu es une salope. Mieux de toi. C'est à moi de venir préparer à ta place que le tonnerre te frappe, idiote. Sale traîtresse. Idiote. Tu oses te parler de ma mère? N'ose pas, je vais te défigurer. Oh, Dieu. N'ose plus. Ne sais plus jamais. Je dois passer un coup de fil à mes parents. Ils doivent venir. Ils viendront gérer ton cas. C'est très impoli. Ça pourrait vous disqualifier. Alors je m'en irai. C'est pas la fin du monde. Tu es vraiment sérieuse là? Genre, tu t'en fiches complètement de gagner. Oudjou, tu es dans cette maison depuis 3 jours. 3 bons jours. Et maintenant la raison est là. Et tout ce que tu as réussi à faire, c'est donner une mauvaise impression. Il n'est pas la seule raison pour laquelle je suis ici. Ha! Je ne peux même pas imaginer le reste de ma vie avec ce bâtard. Tu dois t'excuser. C'est le fils de Chief que tu traites de bâtard. J'en ai rien à foutre. S'il peut faire des réflexions stupides concernant ma mère comme ça, alors il est pire qu'un bâtard. Quoi? Ne sois pas hystérique. Pourquoi? Pourquoi es-tu ici? Elles sont toutes belles. Vraiment? Oui, père. J'aimerais pouvoir les voir. Moi aussi. Alors, as-tu déjà jeté ton dévolu sur l'une d'entre elles? Pas encore, père. J'ai encore besoin de temps. Qu'en est-il de celle qui a fait le meilleur plat? Je ne veux pas me précipiter, père. Il y a beaucoup de critères en jeu. Bonne chance, fils. Merci, père. Père, et concernant ta santé? Bien, je me sens mieux. C'est bon à entendre. J'ai tellement hâte que tout commence à aller bien. Je l'espère. Tout ira bien, par sa grâce. Amen. Alors, pourquoi es-tu ici? Pour les 5 millions. Ça ne sonne pas bien. Je veux dire, toutes les filles dans cette maison se battent pour plus que ça. Et je suis presque sûr que peu importe la gagnante, elle recevra beaucoup plus que 5 millions. Je sais, mais je ne saurais gérer un mariage arrangé. Alors, pourquoi es-tu ici? Au départ, je pensais y arriver. Mais après l'avoir vu, je n'en peux plus. Ce n'est pas de l'amour pour moi. J'ai hâte de sortir d'ici. Avec mes 5 millions. Alors, qu'en dis-tu? Quel est le goût? Quel est le goût? C'est bon. L'un des meilleurs vins africains. Tu peux le dire. Tu sais, la cave de mon père a toujours du bon vin. Comme on le dit toujours, je n'ai aucune raison d'en douter. Qu'en dis-tu des filles? Oh, les filles? Ok. Puis-je être sincère? Aucun souci. Elles sont toutes belles avec un fort caractère. Tu veux dire toutes? Non, pas toutes. J'essaierai de les aborder et je verrai. C'est préparé. Ça te choque? Oui. Je peux maintenant voir que tu as du potentiel. Et Dieu t'aime. Si seulement tu pouvais arrêter cette habitude de fumer. Attends. C'est une prophétie ou un conseil que tu me donnes comme à ton enfant? C'est juste un petit conseil. Qui me parle? Regardez-la. Hein? Regarde-toi. Tu ne vois pas ton futur noir?
tu l'ignores, pour venir me donner des conseils. Qu'est-ce qui te dérange, oh? Si tu n'as rien de bon à me dire, trouve ton chemin retour pour d'où tu viens. T'as compris? Dans tous les cas, ce n'était pas pour t'offenser. Je suis là pour te féliciter. La Bible dit, qu'en tant qu'enfant de Dieu, si nous nous réjouissons du succès des autres, le succès viendra à nous aussi. Alors, une fois de plus, mes félicitations. J'ai compris. Faut juste partir. Et en allant ainsi, faut pas revenir, hein? Idiote. Regardez qui conseille. Elle s'engage à prêcher une brebis perdue. Tu penses que je devrais toutes les essayer, qu'en penses-tu? Eh bien, tu dois être prudent. Ah. Salut. Vous êtes là. Oui. Désolée de demander, pourquoi t'habilles-tu ainsi? Je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin d'exposer mon corps juste pour paraître attirante. J'aime ça. Merci beaucoup. C'est un excellent état d'esprit. Merci. S'il vous plaît, j'aimerais que vous vérifiez quelque chose avec moi. Qu'est-ce que cela pourrait être? En arrivant ici, j'ai aperçu quelque chose que je ne comprends pas. Donc, je veux que vous veniez avec moi et que vous me donniez votre avis. D'accord, allons-y. Merci. Ok, comme je te l'ai dit, tu dois... Je reviens. D'accord. Attends. Ça sent de l'èbre indien. Une minute. Est-ce que l'une d'entre vous fume de l'èbre indien? Je ne sais pas où. Es-tu sûre? Mais elle est juste là. Je ne sais pas ce qu'elle fume. Juste là-bas. Elle fume? Vraiment? Donne-le-moi. Donne-le. Non, chacun se mêle de sa vie. Alors, tu fumes. Même pas la cigarette, mais l'herbe indien. La cigarette est... Non, elle n'a aucun effet sur moi. Tu le dis devant moi, sans culpabilité. Ah, je suis désolée, Chief. Mais mon seul crime ici était... de le cacher intimement. Et, en fait, j'aurais dû le faire ouvertement. Mais pas cacher. Tu t'entends parler? Jeune fille, qu'est-ce qui te fait croire que le faire ouvertement est la meilleure option? Tu cours le risque d'être expulsée de cette maison pour cet égard de comportement. Avec tout le respect, chef... À l'arrivée dans cette maison, on nous a demandé de vivre notre vie normale et qu'on ne devait rien cacher parce que notre réelle vie devait finalement vous parvenir. Je peux même pas dire pourquoi j'ai commencé à me cacher. Mais croyez-moi, je ne me sens pas coupable. Beaucoup là-dehors me voudraient du fait d'être réel, d'être moi. Sans prétention. J'ai compris. Tu peux partir maintenant. Appelle-moi mon fils. Ok, chef. Salut. Bon après-midi. Je vais bien. Je pensais que Douglas était avec vous. Non. Il est parti il y a à peine une minute.
Je vois. Vous êtes beau, je dois le dire. Oh, merci pour ces compliments. Pourriez-vous me dire d'où vous venez? Eh bien, de Calabar. Oh mon Dieu, tu es de Calabar? Ah, la même chose pour moi. Vrai? Je suis aussi de Calabar, oui. Waouh. Waouh. Alors, et quelle est votre pointure? Alors? Je ne comprends pas. Allez, arrête ça. D'accord, je vais être plus claire. C'est un gros ou un lâche. Ne vous inquiétez pas, vous comprendrez plus tard. Mais d'abord, pouvez-vous me confier des secrets? Des secrets? Mm-hmm. Genre? On le laisse pour plus tard. Si tu le dis. Hypocrite, toi. Que veux-tu dire par là? Tu as fait ton travail, merci. Et qu'est-ce que j'ai fait? Rien, excepté ruiner mes chances de gagner. Mais laisse-moi te dire ceci en face. Je ne suis pas du tout intéressée à l'épouser. 5 millions de naira ajoutés à celui que j'ai déjà gagné est suffisant pour en faire 7 bons jours. Laisse-moi également te dire, va chercher ta rivale ailleurs, parce que je ne le suis pas. Un autre conseil, enlève tous ces vêtements de prétention et mets-les de côté. Ça t'empêchera de gagner. T'aurais dû le faire depuis le début. En plus, elle parle très bien. Pourquoi se comporter comme un gangster? Je veux que tu laves tout ceci, puis tu sèches et tu te rassures que, en fait, tu dois bien les repasser. Ça doit être prêt parce que je vais devoir porter celle-ci immédiatement. Genre, tout de suite, ok? Tiens ça. Reviens ici. Me donnes-tu des ordres? Je suis désolé, je ne devrais pas, mais tu devrais savoir que le respect est mutuel. Si tu veux vraiment être respecté, tu dois au moins m'accorder ce respect parce que je le mérite, je suis un homme. Dis-moi plus sur le fait que tu sois un homme. Alors tu crois en fait que toi, tout toi comme ça, tu es un homme. Oh non, tu n'es qu'un vulgaire. Cuisinier. Si tu veux que tes vêtements soient lavés, prends-les et va à l'intérieur. Cherche-toi un seau, de l'eau et du savon. Et lave-les toi-même. Ou mieux encore, cherche-toi un lave-linge. Je suis un cuisinier, comme tu l'as dit, et non un blanchisseur. Attends. Tu veux me déchirer? Tu veux me défier? Je ne sais pas qui te donne le droit de me parler de cette façon. Es-tu fou? Je pensais que tu as dit que tu es un homme. Mec, lave ça. Ça doit être prêt dans 5 minutes. Dépêche-toi. Aucun problème. Juste parce que je suis cuisinier. Y croire. Nya, 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 nya. Avec des habits bon marché. La friperie. Belle pour rien du tout.
Je me demande la dernière fois que ceci a été lavé. Tu viendras toi-même les laver. Tu viendras les trouver là. N'importe quoi. Il m'a été rapporté que tu as physiquement abusé l'une des concurrentes. Je ne l'ai pas fait, Chief. Que s'est-il passé? Depuis quelque temps déjà, elle me harcèle. Elle m'envoie également des messages ennuyeux et provocateurs. C'était après qu'elle ait déclaré que je suis venu dans ses rêves et lui ai fait l'amour. Ce qu'elle a décrit comme un cauchemar. Tu veux me dire que tu ne l'as pas abusé physiquement? Non, Chief, je ne l'ai pas fait. J'ai juste refusé de laver ses habits. Pourquoi as-tu refusé? Je suis désolé, Chief. Jude! Jude! Hey, mais qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai cherché dehors. Oh, j'étais à l'intérieur, je faisais une petite sieste. D'accord, allons-y alors. Non, attends, j'ai besoin d'un peu d'intimité. Ah, un peu d'intimité? Oui. Tu es sûr que tout va bien? Non, je vais bien, je t'assure. Jude, j'espère que tu ne me caches rien là. Qu'est-ce que je peux bien te cacher? Je ne te cache absolument rien. D'accord, je t'attends à l'extérieur. D'accord, mec, sans problème, je te rejoins dès que possible, ok? À tout à l'heure. Tu vas bien? Je vais bien. Dieu merci, elle a été punie. Bien sûr. Eh bien, tu sais, ces petites filles sont juste désespérées. Raison de plus pour que tu me voies comme ton épouse. Qu'en penses-tu? Vraiment? Bien sûr, je suis classe. Ou alors, tu ne me crois pas? Je n'ai aucune raison de ne pas l'être. Bien. Viens là. Tu sais, je... Viens avec moi. Chief, vous m'avez fait appeler. Oui. Je vais aller à mon contrôle médical demain l'après-midi. Je veux que tu viennes avec moi. Alors, sois prête. D'accord, mais... avez-vous parlé de tout ceci à votre fils? Oui, il est au courant. D'accord. Demain dans l'après-midi. Oui. D'accord, je retourne à ce que je faisais. Excusez-moi. Il semble que tu veux que tout ce que nous avons fait en secret soit révélé à Chief. Pas vrai? Écoute, hey, je vais ruiner tes chances de gagner quoi que ce soit. Crois-moi. Attends. Tu verras. On peut savoir d'où te vient cette idée? Ça me vient du fait que tu refuses de me le donner. Oui, tu as refusé de me le donner depuis un certain temps. Tu sais? Oui. Allez, tu devrais savoir que ce que nous avons partagé était temporel. Maintenant que le fils du chef est là, si je dois faire quelque chose, ça doit être avec lui, d'accord? Que dis-tu, jeune homme? Tu plaisantes? Tu plaisantes? Qu'en est-il de moi? Non. Qu'en est-il de moi? Attends une minute. Attends là. Qu'en est-il de toi? Qui?
Tu es juste un gardien ordinaire. Quoi ? Un vulgaire gardien. C'est tout ce que tu es. Quoi ? Oui. Ok. Aucun souci. Sans problème. Maintenant, je comprends que tu veux que Chief soit au courant de tout ce que nous avons fait en secret. Tu ne feras pas telle chose. Oh, mon cher, si tu oses, tu sauras de quel bois et Kaïté se chauffe, jeune homme. Quoi? Non. Tu viens de me gifler? Tu m'as giflé! Quoi? D'accord. Vraiment? Ok. Hey. Je vois que tu es en train de prendre du bon temps. Bien sûr. D'accord. Je te débarrasse ceci. Essaye de te détendre. Je vais te faire un très bon massage. Avec plaisir. Détends-toi. Tu aimes? J'adore. C'est juste un avant-goût. Tu le fais aussi avec le gardien, pas vrai? N'ose pas nier. Chut! Comment le sais-tu? Allez, es-tu si facile? Comment peux-tu descendre si bas pour satisfaire tes envies sexuelles? Oh, Dieu. S'il te plaît, ne parlons pas de ça maintenant, hein? Ne sais-tu pas que les murs ont des oreilles? Ferme-la, d'accord? Ferme-la. Parlons-en plus tard, d'accord? N'as-tu même pas honte de toi? Non, dis-moi, n'as-tu pas honte de toi? Pourquoi devrais-je avoir honte? Pourquoi? Hein? Dis-moi la vérité, n'as-tu pas aimé? Quand je te donnais? Relax, tu ne peux pas. Tu ne peux pas manger seul. Tu manges seul, tu meurs seul. Relax. Je te déteste pour ça. Je te déteste pour ça. Je regrette même de l'avoir fait avec toi. Ferme ta bouche. N'importe quoi. Regardez ce fou, ce bouffon. J'ai essayé de t'aider. Moi, l'unique égalité. Je me suis rabaissée pour que... Tu as de la chance, malade. Hey, yeah.
Everybody play your card. Hey! Reviens. Oui. Comment vas-tu? Je vais bien. Je sais que tu vas bien, mais je veux dire... Ah! Tu es stupide! Tu es malade! La prochaine fois que tu essayes, je vais te verser, je vais te vider une bouteille d'acide sur la tête. Il semble que tu aies oublié ton cerveau d'où tu viens. Tu m'as giflé? La prochaine fois, tu verras, idiot. Vous, que faites-vous ici? Vous voulez dégager? Adresse-toi à celle qui t'a giflé. Ne déverse pas Dégage ta colère sur... ne déverse pas ta colère sur moi. Mon Dieu. Elle vient juste. Je sais quoi faire. Pourquoi l'as-tu giflé? Il m'a crépoté. Comment peut-il me crépoter sans mon consentement? Parce que c'est pour lui que tu es ici. Qu'il aille au diable! Qu'il aille au diable! Et la prochaine fois qu'il essaiera, je vais casser sa tête et je n'aurai aucun remords. Tu es folle. Je vois que tu es vraiment stupide. Non, 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 non. Vous êtes des idiots! Y compris moi. Oh oui, bien sûr. Tu peux rester là et me juger pour avoir mis une claque à celui qui m'a crépoté. Tu es pire. Tu es pire. Assieds-toi. Je... Quoi? Elle t'a giflé. Oh mon Dieu. Cette fille a l'audace de lever la main sur toi. Elle est très impolie et arrogante. Et je ferai de cet endroit un enfer pour elle. Je sais, mais laisse tomber. Oui, laisse tomber. Laissez tomber? Non, je ne laisserai pas tomber. Cette stupide fille m'a humilié. Je vais lui faire sentir la même chose. Ok, écoute-moi. Douglas, laisse tomber, elle n'en vaut pas la peine. Je ne veux plus du tout en parler. Écoute-moi, laisse-la tomber, elle n'en vaut Arrête pas la peine. Ok. Eh bien, essaie juste de comprendre ce que je te dis. Je veux qu'on parle. Je n'ai pas envie de te parler. Oudou, je suis désolé. Je suis désolé, je n'aurais pas dû juger, je n'aurais pas dû prendre parti. Il t'a blessé, je sais. Eh bien, ça n'a plus d'importance maintenant. Tu signifies beaucoup pour moi, mais alors beaucoup. Je viens de réaliser que tu n'es pas parfait. Personne ne l'est d'ailleurs, et je veux connaître tes défauts. Je veux t'aimer. Ne sois pas stupide. Tu ne peux pas m'aimer. Pourquoi ne puis-je pas t'aimer? Parce que tu n'es pas mon genre. Et même si je t'aimais, je ne peux pas t'épouser. Parce que je suis pauvre? Oui, parce que tu es pauvre. Enfin, la bête en toi se manifeste. Hein? D'où est-ce que tu reviens? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis juste allée au chemin de croix. Vraiment? Miséricorde divine. Regardez qui ment.
Aujourd'hui, c'est jeudi et pas vendredi. Hein? Tu vois ta vie? Te battre à épouser un homme qui ne fera jamais attention à toi. Bien. Je te souhaite bonne chance. Mais c'est un conseil. Si j'étais toi, je serais patiente et attendre de recevoir mes 5 millions de naira au lieu de faire ce qui me disqualifierait pour rentrer après les mains vides. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tout ce que je sais est que je suis allée au chemin de croix. Et d'ailleurs, l'enfer est réel. Et c'est là où tu iras. Tu iras finalement dans cet enfer. J'ai dit ma pao. Réponds-toi. Le royaume de Dieu est proche. Réponds-toi aussi. Regardez-la. Réponds-toi. Regardez qui prêche. Mensonge. J'étais au chemin de croix. Que faisais-tu avec lui? La même chose que tu as dû faire. Ou tu as peur que j'ai été meilleure que toi. Toute personne vivant dans cette maison sait que Douglas aime un homme. Aller vers lui pour le séduire n'est rien d'autre qu'une manière pour lui de prendre son pied. Ton soi-disant homme m'a confié qu'à part ces choses, tu n'as rien d'autre à offrir, ma chère. Es-tu folle? Il a aussi dit que tu es ennuyeuse. Une minute, pas plus. Je n'ai pas fini. Il a dit, pas moi, mais ma question est simple. Est-ce que c'est vrai? Tu es folle. Et Keter, ça ne va pas chez toi. Tu es... Hey! Je t'avais prévenu. Tu... Hey! Ah! Douglas! Ah! Je vais mon te Dieu, montrer. Keter, je vais te montrer de comment. Keter, si je me lève de là. Oh mon Dieu, mon Dieu. Keter, lâche-moi! Oh mon Dieu! Mais je vais te montrer! Salut! J'ai préparé ceci spécialement pour toi. Oh, vraiment? Merci. Ça a l'air bon. Et vraiment délicieux. Ah, bon appétit! Ne le mangez pas. Pourquoi? Attends une minute. Viens-tu de dire sang de Jésus? Sainte Marie, oui! Tu veux dire que tu ne l'as pas fait? Bien sûr que non! Ceci est contre ma foi chrétienne! Je ne pourrai jamais rien faire qui puisse nuire à ma foi chrétienne! Ce n'est pas possible, écoute, je ne l'ai pas fait! Tu n'as pas à crier, d'accord? Nous te croyons. Mais... S'il te plaît, assieds-toi et mange la nourriture. Assieds-toi!
Bon appétit. Mange! Mais je n'ai rien fait. Je Mais mange-le. Mange! Tu peux prendre tout ton temps. Prends bien le temps de déguster. Déguste bien. Goûte un peu aussi ça, la sauce. Allez, cette sauce. Plus, 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 plus. Goûte aussi ce plat. Encore, encore. Plus, mange plus. Je t'aime. Veux-tu arrêter? Je t'aime, s'il te plaît, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Mais arrête. Je t'aime, s'il te plaît, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Arrête. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Arrête. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Peux-tu imaginer? Je t'aime. Je t'aime. Elle a essayé de me mettre un filtre d'amour. Maintenant, elle délire. Quoi? Qui aimes-tu? Je t'aime. Arrête. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. S'il te plaît, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Courez, 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 courez. Ça, c'est je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Quelqu'un pour l'arrêter. Je vous en prie, arrêtez là-haut. Elle comprend mon truc. Que dites-vous? La sainte Initouche. Oh, s'il vous plaît, allez l'arrêter. Je suis tombée amoureuse. Quelqu'un pour l'arrêter, oh. Oh mon Dieu. Quelqu'un pour l'arrêter. Quelqu'un pour l'arrêter, oh. Oh mon Dieu. Mais que quelqu'un la retienne. Hein? Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Oh. Tu n'as donc pas honte? C'est attendez, ce que tu te cramais depuis tout ce temps dans le secret. Vous allez tout libérer cette maison. C'est moi qui choisis. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Pour quelle raison? Toi, tu vas bientôt partir. Commettras une Commencez erreur. Déjà à faire découvrir vos caractères petit à petit. Les qui vôtres sont encore cachés haut. Quoi? Sûrement la prochaine J'entends ça? Sera toi. Allez, dégage. Oui, j'attends. Folle. Je vous attends même si je... Hey! Allez, dégage. Je vous attends, Idiote. Mes chers. Oui, j'attends. Cette fois, vous serez toutes découvertes. Prenez ça. Je suis là. Hé hé! Je suis pas pressée, hein? Je suis pas pressée. Est-ce que... Tu le savais? J'attends de voir vos vrais visages, les filles. Marbelle. Je suis là. Vos masques là vont tous tomber. C'est de la folie. Oh, je vais attendre. Que dis-tu? Je vous attendrai toutes, ici. Sans aucune honte. Que dis-tu? Reste là, reste là. Reste ici. Que dis-tu? Vous cherchez l'amour? Sa troisième jambe. Je t'aime. Elle est comme, je t'aime. Comme ceci. Je comme t'aime. Ceci. Mais comment? Elle est grosse. Elle a empoisonné le repas de votre fils. Mais elle a été surprise et forcée de manger ce repas. Et a-t-elle mangé? À quoi pensait-elle? Je ne sais pas. Peut-être à cause de la honte ou parce qu'elle avait l'antidote, mais ce n'était pas un poison mortel. C'est la raison pour laquelle elle délirait vraiment. Elle est disqualifiée. Qu'elle quitte la résidence immédiatement. D'accord. Je vais lui transmettre votre décision. Excusez-moi. Ok. Salut. Salut. Merci. S'il te plaît, puis-je m'asseoir? Bien sûr. Tu es si beau et tellement attirant. Puis-je en savoir un peu plus sur toi? Oh. Je m'appelle Belinda. Je suis la fille d'un riche milliardaire. Je passe la plupart de mon temps entre deux avions. Amérique, Royaume-Uni, Canada,
Europe et plus encore. C'est de la classe. Oh oui, je suis classe. Aucune de ces filles ne peut atteindre mon niveau. C'est pourquoi je marche la tête haute. Raison pour laquelle tu dois me choisir comme ton épouse. Ce serait génial. Bien sûr. Très génial. Alors, pourquoi ne pas juste mettre fin à la compétition et m'annoncer en tant que la gagnante? Parce que je suis classe. Très classe. Et riche. Oui. Mon père est mort quand j'avais 5 ans. Et ma mère, elle a fait tout ce qui est à son pouvoir pour que je puisse poursuivre mes études. Ça n'a pas été facile, mais... mais elle a tout fait. Nous avons vécu dans la rue, vois-tu? Comme tous les foyers pauvres, nous avons réussi à survivre. Ma mère a tout fait, tout ce qu'elle pouvait. Et tout ce que je veux, c'est de lui rendre en retour. Un pauvre ne peut pas m'aider à réaliser cela. C'est la raison pour laquelle je place l'argent avant toute chose. Parce que je veux la rendre fière. Fière de moi. Raison pour laquelle tu ne peux pas m'épouser. Oui. Tu dois vraiment beaucoup aimer ta mère. Et ce au point d'aller jusqu'à insulter le fils de Tiff, hein? Pour voir parler d'elle avec mépris. Tu n'imagines même pas. Je peux tuer pour ma mère. Tu veux un homme riche comme époux. Tiff est un milliardaire. Alors pourquoi ne considères-tu pas son fils? Je veux un homme riche que j'aime. Je n'aime pas ce mec, crois-moi, pas du tout. Si je peux rentrer chez moi avec 5 millions de naira, je ne vois pas pourquoi je devrais risquer mon bonheur pour ça. Tu as raison de toute façon. Et c'est ton choix, ta décision. Je ne dirai pas le contraire, mais... il n'en reste pas moins que cette compétition prend fin demain. Ah. Qui, selon toi, gagnera le grand prix de ce concours? Pour être honnête, la nonne. Pourquoi? Tout le monde devrait partir avec 5 millions de naira. Tiff devrait chercher une femme lui-même. Crois-moi, nous sommes toutes des chercheuses d'or. Y compris toi? Je te l'ai dit, nous toutes. Eh ben, ça c'est la meilleure de toutes, ouais. Eh bien. Donc pendant 7 jours, nous avons eu affaire à des chercheuses d'or. Elles rentreront avec 5 millions de naira. Je pense que Tiff devrait en faire un film et l'intituler Chercheuses d'or. Chercheuses d'or. Ne sommes-nous pas censés être à l'intérieur pour annoncer la gagnante? Chief? Sois patiente. Un peu de patience.
Quoi? Qu'est-ce que je vois? Que se passe-t-il ici? Je me pose les mêmes questions. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Pour commencer, je ne suis pas aveugle. Hey! Oh mon Dieu! L'on dit la meilleure façon de voir le monde est de devenir aveugle. Maintenant, vous savez, dans cette maison, tout le monde est juge. Félicia, ma sœur. Douglas, mon neveu. Est un juge. Oui. Jude. Oquette, le gardien, sont aussi des juges. Vous êtes surpris. Je pense que la vraie est celle qui s'est montrée dès le départ. Merci. Elle mérite un peu d'admiration. Merci, c'est moi. L'unique et original Mikey. Oui, c'est moi. C'est moi. Voilà. Ça suffit. Judith a essayé d'empoisonner Chief. Quoi? Hey! Oh mon Dieu. Jésus. Oui. Mais quelque chose s'est produite. Chef. Oh. Chef. Oh. Chef, ton café. Je t'apporte du pain et une bouteille d'eau. Chef. Chief, ne buvez pas ce café. C'est du poison. Je vous en apporte un autre. Hein? C'est du poison. Quoi? Elle a essayé de me séduire à plusieurs reprises, pensant que le charme avait fonctionné. Wow! Et notre soi-disant Kaïté ne sait pas ce qu'elle est venue chercher. Elle était occupée à coucher avec n'importe quel homme qu'elle voyait. Hey! Oui. Ah, moi également, ça fait deux. Hey! Moi également. silence. Hey! Ujo est impolie, arrogante, méprisante et irrespectueuse. Je ne pense pas qu'elle mérite de partir avec quoi que ce soit, Chief. Et Belinda? Oui, mon chéri. Qui prétend avoir tout. Oh! Mais après mes investigations, j'ai découvert qu'elle n'a rien. Eh bien, Chief, après dépouillement, la vraie Mickey, elle a mon vote. C'est moi! Hey, je l'ai eu! Pas de visage voilé, je l'ai dit! Belinda est ma préférée. Hey, vous voyez, au moins une fois. Silence. Mickey, tu as la mienne. Merci. C'est moi qui gagne. Pas de visage voilé. C'est moi. Et Kaïta, tu as merdé. Hey! Mon amour, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Salut mon sucre, c'est moi Hikaita. Tu sais que je t'aime tellement.
Il n'a donc pas de dignité, celle-là. Après ce qu'elle a fait, elle continue de parler. Isa, je suis si désolée pour la gifle. Je suis si désolée. Je t'aime. Merci. Choisis-moi. Je te promets, je ne te giflerai plus. Oh, Isor, chérie, Isor, attends. C'est moi, chérie. C'est moi. Libère la voix. Après tout ce que t'as fait, t'as pas honte, n'est-ce pas? Je prendrai Ojo pour époux. Hey! Quoi? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Comment? Père, les gens détestent les autres pour rien. La plupart du temps, ils leur traitent de tous les noms quand ils ne parviennent pas à leur faire danser sur leur rythme ou leur faire suivre leurs bêtises. Elle ne sait pas cuisiner. Et alors? Ça ne devrait pas être le seul critère pour choisir une femme. Nous avons des cuisiniers à la maison et ils peuvent s'en occuper. Elle n'est pas parfaite. Loin d'être parfaite. Mais je veux l'aimer avec ses imperfections. Mon âme a vraiment l'air d'être confortable avec elle. Elle est ma lumière. Bien. C'est bien, fils. C'est ta décision. Ce sont tes prérogatives et ton choix. J'ai organisé ceci parce que je veux le meilleur pour mon fils. Après avoir enduré un mariage terrible avec ma défunte femme, je n'ai plus voulu que la même chose arrive à mon seul fils. Je veux vous remercier tous pour votre participation. Mickey. Présente. Haha. Belinda. Je suis loyal au chief. Et Kaitet. Oui, chef. Je suis là, monsieur. Vous allez tout rentrer avec 5 millions de naira. Hey! Merci. Tiki. Contacte-toi, tiki. Judith. Merci, monsieur. Tu ne recevras rien. Hey, rien. Woo! C'est la fin du jeu. Mickey. C'est moi en personne. C'est bien moi. Everybody play your cardio. Play your cardio. Now the best cardio. The best cardio. Unyamuna play your cardio for man. Play your cardio. Now the best cardio. The best cardio. This is a game. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. My candy when we channel right inside the game, it's another game. So be wise, play your card well, well. The best card is a winner. Joy, some are fake. Why some are real? Some are using their woman power to get to what they want.
but no matter what, na be best to cut you, the best to cut the going on. Everybody play your cut you, play your cut you. Na the best to cut you, the best to cut you. When you wanna play your cut you.